Ah, je passe un excellent moment à lire One Piece. Quoi? Oh putain, la dinguerie. Oh là là. C'est vraiment hilarant ça. Merci, Franky. Oh non, ton background est si triste. Oh. Quel banger, putain. N'empêche. Peut-être que je devrais en parler sur ma chaîne YouTube. Et ouais, je ferai un genre de podcast. Ça marcherait bien. Salut à tous, c'est Ultra Maurice. J'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naruto. Bah non, c'est One Piece, les gars, faut suivre. Oui, je sors un podcast sur One Piece en 2024. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oui, le tome 1 est sorti il y a plus de 20 ans. Et alors? Mais du coup, oui, j'ai fini par lire One Piece. J'ai laissé derrière moi 18 ans d'ignorance et de fermeture d'esprit pour enfin ouvrir ce chef-d'œuvre. Et heureusement que j'ai fini par céder d'ailleurs, parce que sinon je serais passé à côté d'une masterclass. Ouais, c'était un baiser toi, le meilleur manga, c'est Dragon Ball, mon pote. Qu'est-ce que tu me racontes avec tes pirates de merde? Et c'est trop nul, One Piece. Hop là! Voilà, Aïe! encore quelqu'un qui n'a pas lu One Piece. Il n'y a pas de problème à pas aimer One Piece. Par contre, quand on critique et qu'on n'a pas vu, ça m'énerve. Comme disait Victor Hugo, les plus petits esprits ont les plus gros préjugés, voilà, hop, tu le cales dans une disserte, ça fait plaisir. Du coup, moi j'ai lu les 60 premiers tomes en quelques mois, hein. D'ailleurs mon compte en banque s'en souvient, hein. 7 balles le tome de manga, je peux te dire que j'ai mal au cul. Ah. Mais bon, avant tout, qu'est-ce que c'est One Piece? Parce qu'il y en a parmi nous, bah, si, il y en a au moins deux sur Terre qui connaissent pas One Piece. Donc pour eux, on va faire l'effort. C'est tout simplement le manga le plus vendu du monde. Vous avez l'info. Il est publié au Japon depuis maintenant plus de 20 ans chaque semaine dans un truc incroyable qui s'appelle le Shonen Jump. Ouais, j'en ai un. Non, j'ai jamais été au Japon. Et il est écrit et dessiné par le grand Eiichiro Oda, hein, que certains appellent carrément Dieu. Ah si si, je vous jure, hein, la communauté de One Piece est extrêmement vénère. Ah je vous jure, il y en a, c'est des malades. Hein. Eiichiro Oda, pour eux, c'est une divinité. Je vous jure, j'en vois tous les vendredis, ils prient à la Fnac. Itadakimasu. Et en vrai, je les comprends un peu. Enfin, tout petit peu quand même, parce qu'il faut pas abuser. Mais One Piece, c'est génial, vraiment. Tout est incroyable. Déjà, la forme. Ah, les gars, le dessin de One Piece, c'est quelque chose. Il y a de l'émotion. Des fois, je dis des planches, ils arrivent à te faire rire, à te rendre triste, mais fort, triste de ouf, de malade. Ils te rendent joyeux, ils te mettent en colère. Bref, tu passes par toutes les émotions, parce que le dessin est génial. Parfois enfantin, parfois hyper badass de ouf, en fait. C'est trop satisfaisant de voir l'évolution du style de l'auteur à travers le manga. Les gars, en 60 tomes, tu lis le tome 1 et tu lis le tome 60, ça n'a rien à voir. Après, je dis ça, bien sûr que le dessin n'arrive pas à la cheville de celui de My Hero Academia. Voilà, tout simplement, c'est magnifique. Koyorikoshi, je t'aime. Mais aussi les tomes, les gars. Juste les jaquettes, les SBS que t'as à l'intérieur, les images exclusives, bref. À lire, c'est incroyable. Et oui, je reprécise, j'ai lu le manga, hein, j'ai pas regardé l'animé. Des fois, il y a beaucoup de situations comme ça où j'échange avec des fans de One Piece. On voit, ah, t'aimes bien Sanji? Ouais, j'aime bien Sanji. Toi, t'aimes bien Chopper? Ah, goût de merde. Et après, on me demande, c'est quoi mon opening préféré? Et après, je leur dis que du coup, bah, je lis le manga, que je regarde pas l'animé. Et ils me reposent la question. Donc, ça se passe comment? Ils pensent vraiment que quand j'ouvre un tome, ça se passe comme ça? J'adore cet opening, vraiment c'est le meilleur, c'est mon préf. Mais au-delà de ça, c'est bien, je vous parle des dessins, tout ça, mais de quoi ça parle? Ça raconte quoi finalement, hein? Du coup, bah, je vous propose mon résumé. En gros, One Piece, c'est un équipage de pirates composé de un gros poisson samouraï, un musicien mort, un charpentier cyborg, une dépressive qui fait pousser des mains, un reine urgentiste, Philippe Etchebest qui fait du taekwondo, un mytho qui vise bien, une présentatrice météo, un mec stylé mais qui se perd tout le temps, et le tout est dirigé par un capitaine élastique qui cherche un trésor potentiellement inexistant, et ils veulent casser la gueule du gouvernement. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et du coup, bah oui, là forcément ça vous fait envie. Bah ouais. Mais du coup maintenant, je vais vous parler un peu des trucs qui m'ont plu dans ces 60 premiers tomes. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce qui est incroyable finalement? Pourquoi vous devez lire One Piece? En tout cas jusqu'aux 60 premiers tomes, parce que ça se trouve, la suite, c'est de la merde. Déjà, ce qui est génial, bah c'est les personnages, hein. Luffy, le Goat. Non.
Sanji Zoro est extrêmement badass, hein, il suinte le charisme. Franky et Usopp, franchement, ils sont hilarants. Nami et Robin, elles sont bien sûr extrêmement bonnes. Clay, bonne Clay. Oh, masterclass ce perso, hein. Ouh. Donc bien sûr, pour apprécier une œuvre, je pense que aimer des personnages, c'est super important, c'est pour ça que je les mets dans les points positifs. D'ailleurs, il y a plein de personnages secondaires incroyables, hein. Kobe, simplement, Crocodile, trop stylé, Shanks, Doflamingo, Ivankov, masterclass ce perso, Docteur Illuluk, Vivi bien sûr, Garp, évidemment Garp, mais surtout, il y a les deux meilleurs personnages de l'œuvre, Barbe Blanche et Ace, les deux Krakito. J'adore ces persos. Mais aussi dans les choses que j'adore avec ce manga, c'est l'humour. J'en ai déjà parlé, mais il est tellement bien dosé, tellement bien dessiné, bien retranscrit, vraiment genre, c'est hilarant, je vous jure. One Piece, c'est un des deux seuls mangas avec Spy Family où vraiment je me suis tapé des barres devant, je vous jure. J'étais comme ça devant mon manga. Ah putain, il m'a tué. Hein, quoi, il est mort? Bon, je vais passer un peu toutes les autres choses que j'aime bien dans le manga, parce que si je commence à parler du lore, les gars, je vous jure, la vidéo, elle dure 7 heures. Et les gars, je vais finir les points positifs par la chose que je préfère le plus dans One Piece. Les combats. Pa 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 pa. Et directement, sans aucune transition, les gars, je vous propose ma tier list des arcs de One Piece, en tout cas ceux avant l'ellipse. Voici les tiers, ça casse la muraille, bien mon mange bien, ça patoche, moi bof et boukaka. Clairement, Romance Down, c'est une dinguerie. Ça part dans Miam, on mange bien. Arc Baggy, un petit peu en dessous, mais très cool. L'arc Usopp, pareil, Miam, on mange bien, et je pense même que c'est au-dessus des deux autres. L'arc Baratti, les gars, ok, Yamihawk et Zoro, mais c'est très bof, hein. Don Krieg, c'est long, c'est chiant. Arlong Park, les mecs, les premières masterclass. Saka Samurai directement avec Nami et Luffy qui pose son chapeau, masterclass. Lockdown, pas fan, franchement, j'ai trouvé l'arc pas incroyable. Reverse Mountain, sympatoche, sans plus, franchement agréable, mais bon. Whiskey Peak, assez cool, pareil, pas incroyable de fou, mais franchement sympa. Little Garden, je pense qu'on mange bien au-dessus des trois précédents. Hill the Drum, pareil, on mange bien, et même que là, on commence à vraiment bien manger, genre on prend un dessert en plus. Arc Alabasta, les gars, c'est incroyable, ça casse la muraille tous les jours, ça en casse 14 des murailles même. Arc Jaya, sympatoche. Skypiea, tout au-dessus, je pense, demi à mon mange bien, juste parce que j'ai trouvé ça un peu long, mais je pense que c'est moi qui étais en overdose de One Piece, mais en vrai, vraiment, c'est ça deux doigts de Saka Samurai. Devi Backfight, il faut qu'on en parle. Trop de gens détestent cet arc à cause de l'anime qui était un peu vieillot, un peu long, un peu chiant, mais les gars, en manga, moi, j'ai trop kiffé. Les gars, cet arc est drôle et fun et c'est trop bien. Donc je pense que je le mets très honnêtement tout en bas de Miam, on mange bien. Et là, les gars, à partir de là,
à partir de Water 7. Ah, quoique à la base, je le mettrais peut-être au-dessus de Water 7 quand même, mais on commence à rentrer dans One Piece, quoi. Là, avant, c'était One Piece, là, c'est One Piece. Agnès Lobby, les gars, c'est... J'ai pas les mots, je vous jure, il y a aucun adjectif qui caractérise correctement cet arc, c'est génial. Thriller Bark, on mange bien, on mange très très bien, franchement, très très bon arc. Archipel Sabaody, je pense que c'est tout en bas de Saka Samurai, pour plein de raisons, notamment les personnages qu'on y découvre, les pièces que ça pose et tout, même le coup de poing, voilà, juste le coup de poing. Amazon Lily, très cool, on voit enfin Luffy en solo, et je pense qu'on le met ici, voilà. Et là, Impel Down, les mecs, là, on commence à rentrer dans le dur, hein. Là, les gars, Impel Down, est-ce que je le mets dans Saka Samurai? Ouais, oui, Saka Samurai. Impel Down, je le mets là. Et Marineford, les mecs, c'est le point culminant de One Piece, c'est le prime de One Piece. On ne peut pas le mettre autre part que tout en haut des arcs de One Piece, c'est incroyable. Post Marineford, je pense que ça ira dans Miam, on mange bien, ici, parce que très cool, parce que très touchant, parce que les thématiques sont très intéressantes. C'est ma tier list des arcs de One Piece avant l'ellipse. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, si c'est le cas, tant mieux, si c'est pas le cas... Faites la tier list, les gars, la tier list est dans la description, vous pourrez directement la faire et l'envoyer sur mon Discord. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, à un moment, faut finir la vidéo, parce que sinon elle va durer des heures, et je me connais, les gars, j'ai encore prévu une longue liste de choses que j'aimerais aborder, peut-être pour un épisode 2, là j'ai vraiment fait les gros traits, quoi, mais voilà, j'avais envie d'en parler, de transmettre ma flamme, ma passion pour ce manga. Franchement, facile top 3 de mes mangas, voilà. En premier, SNK, My Hero Academia, et ensuite... One Piece, mais les deux stationnent. D'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas à partager votre top 3 de vos animés manga préférés. Ça m'intéresse, donc allez-y. Pareil, j'ai parlé des openings tout à l'heure. Mettez votre opening préféré One Piece. Bon, du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Cette vidéo devait sortir il y a quasiment 3 mois. D'ici là, moi, j'ai eu le temps de faire une pause, parce que oui, forcément, après le tome 60, il y a l'ellipse. Du coup, j'avais envie de ressentir un peu l'ellipse, de faire une pause dans ma lecture, parce que j'ai quand même très vite tout enchaîné. Je crois qu'il est temps de mettre un terme à cette pause. J'ai acheté les 3 prochains tomes parce que j'ai envie de m'y remettre petit à petit, parce que c'est génial. Peut-être que je vous tiendrai au courant de mon avancée, de ma lecture. Enfin, si ça vous intéresse, j'en sais rien. Peut-être que je ferai une vidéo par arc. Loin de moi l'idée de devenir un YouTuber One Piece, mais juste, bah, j'ai envie de transmettre un peu ma passion, mon avis, mon regard critique. J'ai pas forcément montré une analyse incroyable, juste j'avais envie de faire un truc un peu fun où je balance comme ça des points positifs. Bref, lisez One Piece, lisez les mangas, abonnez-vous à la chaîne. Je l'ai pas dit, ça c'est une dinguerie. Abonnez-vous, les gars, vous avez passé un bon moment, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, allez me voir sur Twitch également. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente vie, parce que c'est le plus important. Salut tout le monde !